Bonjour et bienvenue à cette formation. Donc la dernière fois, on s'est arrêté au niveau de là. Aujourd'hui, on va essayer de mettre des cotations et on va aussi compléter les annotations de notre semaine. Voilà. Donc on a fait les deux méthodes, une méthode avec Revit et une méthode avec Quapoc. Donc jusqu'à là, je pense que c'est bon. Je vais essayer d'afficher l'autre là. Donc je pense que c'est celui-là. Voilà. On va essayer d'annoter ça. Donc avant de passer aux annotations, on va essayer de, quand même de faire avec Powerpack. C'est aussi possible de faire des annotations avec Powerpack comme on le fait avec Revit au niveau de là. Voilà. Donc supposons que on veut vraiment attribuer de couleurs au niveau de là. Supposons qu'on veut mettre juste de couleurs au niveau de là. Donc comme certains le font avec Revit, c'est aussi possible d'attribuer des couleurs. Ici, j'ai déjà les devis qui sont là. Je peux partir travailler au niveau de là en cliquant juste ici ou en cliquant là. Ou je viens au niveau de ma feuille. Je vais activer au niveau de là. Voilà. Donc on peut passer soit par soit en créant un gabarit pour notre semaine, pour l'ensemble de nos semaines. Donc il suffit juste d'attribuer ces gabarits au niveau de nos semaines, en créant notre gabarit pour les poteaux et un autre gabarit pour les poutres, ainsi de suite. Voilà. Donc si on ne veut pas créer de gabarit, on peut toujours mettre, par exemple, sélectionner ça. Comme c'est qu'on a fait ici, on a déjà attribué des couleurs ici au niveau de là. Au niveau des filtres, si on regarde, on a déjà donné des identifiants, de commentaires. En général, je préfère prendre toujours les commentaires que les identifiants S1. Donc, supposons qu'on va mettre une couleur au niveau de là. Donc, c'est très simple. Soit, si on clique VV, je vais vous montrer ça d'abord. Voilà. On peut créer des gabarits. Voilà, donc comme que c'est juste un petit tuto, donc on va essayer juste de cliquer sur VV, venir directement au niveau de là, changer. Maintenant, si on change les armatures ici, on donne des armatures, on va voir que toutes les armatures sont changées avec. Donc maintenant, si on veut vraiment éviter ça, on est obligé de venir au niveau des filtres, au niveau de là, créer quelque chose là-bas. Au niveau de filtre ici. Donc je vais vous montrer ça d'abord sans passer par filtre d'abord. Donc on va chercher armature béton, c'est ici. Voilà, donc ici c'est au niveau de ligne. Supposons que c'est au niveau de ligne ici, on veut mettre par exemple le motif plein. Voilà, on peut même de soit plein ou on le laisse par défaut. L'essentiel c'est plein. Donc supposons que si on donne rouge par exemple, en donnant une épaisseur par exemple un peu grand, 4 par exemple, 4. Voilà, on applique, ok, là c'est ça qu'on va voir au niveau de là. Donc l'épaisseur aussi ça va dépendre. On a donné 4 est un peu grand, donc si on veut on peut même mettre 100 épaisseur, on le laisse par défaut. Voilà, ça nous donne comme ça. Donc puisqu'on augmente le nombre au niveau des épaisseurs, puisque ici ça devient un peu plus clair. Voilà, on peut même afficher ça moyen, juste comme ça. Voilà, donc ça, si on fait, on va avoir l'ensemble de notre vie au niveau de là, ils vont changer ensemble. Mais exemple, nous, si on ne veut pas vraiment que ça il devienne rouge, on veut juste choisir quelques barres pour attribuer une couleur. Donc on doit passer par filtre. Voilà, donc au niveau de là, maintenant si je regarde d'autres vies, ils sont pas encore changés, c'est juste cette vie là que toutes les armatures seront changées en rouge. Voilà, maintenant moi je vais pas faire ça. Qu'est-ce que je vais faire? Je reviens VV et je vais enlever ça. Voilà, je vais pas mettre rouge, je vais ça remplace, je vais revenir en arrière. Voilà, comme ça je reviens comme ça.
Vraiment, c'est un homme élevé. Voilà. Maintenant, je vais choisir juste les armatures qui sont. Ça aussi, est-ce que j'ai pris par SS? Je vais voir. J'ai pris SS. Voilà. Donc, je vais juste changer ces deux-là. Ou bien ceux qui sont là en bas. Par exemple, je vais mettre celui-là. Voilà. C'est là. Ou bien je vais juste prendre celui-là, par exemple, là. Et celui-là. Voilà. Je vais quand même donner soit identifiant. Voilà. Supposons que ici je vais mettre identifiant. Comme que déjà j'ai utilisé S1 commentaire pour le tableau. Donc si je change ça, donc automatiquement le tableau va se changer. Donc je vais donner identifiant, par exemple. Identifiant. Attente. Donc je vais mettre juste A. Attente 1. Je mets 1. Donc vous êtes libre de donner un nom. Ces éléments ont des valeurs identifiantes dupliquées. Ok. Je vais vérifier. Voilà. C'est pour cela que j'aime toujours travailler avec les commentaires. Parce que si on a plusieurs, on ne peut pas avoir plusieurs éléments avec des mêmes identifiants. Mais tandis que ces commentaires, on peut attribuer les mêmes commentaires sur l'ensemble de barres. Voilà. Ici, c'est juste un exemple. Voilà. Maintenant, je vais venir au VV. En cliquant VV, je vais au niveau de filtre. Voilà. Ici, je vais dire ajouter. Ajouter. Voilà. Je vais faire modifier. Donc, armature béton, je vais sélectionner ici. Je vais mettre nouveau. Je vais mettre, par exemple, A1. C'est juste un nom. Je donne juste un nom, à part de ce, je sélectionne le nom et je sélectionne celui-là. Voilà. Une fois là, maintenant je viens au niveau de identifiant. Au niveau de commentaire, je vais chercher l'identifiant. Identifiant, c'est là. Donc ici, égal. Et je vais donner par exemple A1 qui est là. Il est le seul au niveau de là. Voilà, une fois là, maintenant je sélectionne celui-là, je clique OK, je suis là au niveau de là maintenant. Maintenant, à partir de là, des lignes, maintenant je peux venir par exemple dire que je laisse l'autre là par défaut. Ici, je prends juste par exemple quelque chose de rouge ou bleu, voilà. Donc vous pouvez choisir soit épaisseur des lignes, D par exemple. Voilà, j'ai mis OK. Ok, donc j'aurai juste mes deux barres qui seront un peu au moins rouges au niveau de là. Voilà, je peux toujours le faire remonter un peu pour que ça soit un peu quand même. Et si juste sélectionner les barres. Je vais laisser ce n'est pas là. Voilà. Et je prends ça, je le augmente un peu comme ça. Voilà. Même si vous l'affichez ça avec des tailles moyennes ou des tailles faibles, voilà. Vous pouvez toujours retourner en donnant par exemple VV. Vous pouvez toujours revenir au niveau de là pour soit ajouter en mettant jusqu'à par exemple 4. Voilà. Donc c'est très facile à faire. Voilà, je peux même mettre ça soit énergie. Voilà, vous aurez quand même votre barre comme ça. Voilà, au niveau de votre ferraillage. Donc ça, c'est juste pour les gens qui veulent vraiment attribuer des couleurs au niveau de barres. Donc il suffit juste de passer par cette méthode. Donc c'est très simple à faire. Voilà. Donc, je vais maintenant passer aux cotations. Je peux même les positionner au niveau de là pour mettre mes cotations ou bien partir de l'autre côté. Donc, c'est la même chose. Soit j'ouvre le. Soit je clique ici, je vais mettre mes cotations au niveau de là. J'ai déjà créé pour sa propre cotation. Donc, je pense à là, je vais utiliser celui-là. Mais je vais prendre juste ça, comme ça.
en bas aussi. Voilà, un sur 20. C'est très facile à faire. Je peux même toujours diminuer ça. Si c'est toujours gros, je suis juste de partir de l'eau. Au niveau de cotation, je vais diminuer. Au lieu de prendre, je vais prendre 2. Taille en bas, et je peux même prendre une taille. Taille grande par exemple. Voilà, on a plusieurs là-bas. Je peux même le prendre comme ça. Donc une fois ça aussi, il y a pas qu'ici, on peut par exemple ici, utiliser ça. Voilà, on peut même utiliser ça. Ça c'est pas trop. Et là je peux quand même les positionner ici par exemple. Donc il m'amène jusqu'à l'autre côté. Donc il suffit juste de les sélectionner. Par exemple, je vais mettre libre. Si c'est libre, je peux quand même le faire descendre. Il a mis ça en haut, donc je vais le déplacer, juste le déplacer pour le mettre là. Voilà. Vous pouvez même déplacer un peu comme ça pour vraiment c'est celui-là. Donc on a 10. Ici on peut quand même faire un peu de modification. On voit que la case c'est un peu, notre cercle c'est pas trop grand par rapport au 26. Voilà. On peut toujours venir en rotation de plusieurs. On peut par exemple cliquer celui-là et celui-là, les deux en même temps. Une fois fini, donc il suffit juste de cliquer à côté. Ici par exemple, pour qu'il vous mette les deux. Voilà. C'est très simple à faire. C'est 24, on a deux. On peut même le déplacer un peu. Même ça, je peux l'amener de l'autre côté. Supposons que comme que je peux l'amener ici, voilà, je l'amène pour qu'ils soient un peu alignés, donc ça sera un peu bon comme ça. Ça aussi je peux le faire avec celui là en sélectionnant par exemple ça. Donc une fois terminé, je peux le cliquer en bas quelque part là par exemple. Mais il a pris l'ensemble, c'est comme ça, j'aime pas ça. Je préfère l'autre là. Ok, celui-là quand même c'est bon. Celui-là je vais le laisser. Je vais le laisser comme ça. Je vais même déplacer ça un peu. Voilà, je mets ça ici. Ok. On va le pousser ici, donc je peux toujours retourner pour... Non, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais cliquer au niveau de là. Voilà, je vais choisir celui-là. Puis, ok. Puis, je le positionne ici. Donc, celui-là, il me donne l'ensemble. Donc, je pense que ça ne sera pas nécessaire. Je vais pas utiliser ça. Je vais utiliser la simple méthode de Revit au niveau de là. Par catégorie, et si nous sélectionner par exemple la cellule là, donc une fois ça, je vais la déplacer au niveau de là. Et je peux même mettre ici libre pour l'afficher moi-même. Une fois je sélectionne ça, je viens, je le mets libre. Voilà, donc maintenant c'est à moi de venir le mettre là par exemple. Voilà, je le positionne de façon comme ça. Parce que c'est pas aussi difficile, on le positionne facilement. Une fois terminé, maintenant j'ai désactivé la vue. Donc ici aussi je peux venir activer ça comme ça. Et je viens au niveau de là, je vais essayer d'abord avec cette méthode là plusieurs. Je vais prendre celui là voilà. Une fois terminé, je clique quelque part ici, voilà, parce que lui il me donne déjà comme ça.
mais je peux quand même toujours les déplacer. Si je ne vois pas vraiment qu'il me met à côté, je les déplace. Je les mets ça ici, par exemple. Voilà. Je les mets ça ici. Et l'autre, là aussi, je peux venir mettre ça ici. Voilà. Une fois terminé, je les positionne, par exemple, ici ou en bas. Je les positionne ici, par exemple. Voilà. Je me mets toujours à côté. Ici encore c'est pas mal, je vais quand même les laisser ici. Hein. Voilà, vous les mettez comme ça, vous faites vos rotations, tranquillement. Donc une fois fini, on vient annoter maintenant. On peut prendre là, à là, 120, là aussi, à là. Voilà. Donc on peut toujours annoter aussi les trucs qui sont à l'intérieur. Au niveau de là, donc ici, ça avec ça, donc ici on le met, est-ce que je le désactionne, je mets terminé pour le de là, je le mets assis à côté, pour là, donc ça va dépendre, voilà, il me met directement au niveau de l'autre côté, je peux prendre ici aussi le de là, je le mets par exemple là, ou à côté ici. Ou je le mets de l'autre côté. Une fois terminé, je le mets ici par exemple. Il me donne ça comme ça. 31. On a DHA12. Voilà. Donc ça me reste toujours le quadrillage. Je prends ça et je sélectionne. Et je mets terminé. Je le positionne quelque part là par exemple. Voilà. Il me donne ça aussi. Donc si je vois qu'il est un peu confondu avec l'autre là, il suffit juste de dire c'est libre, je le déplace, voilà, pour ne pas qu'on confond avec l'autre là, je le mets de l'autre côté. Voilà, je pense que jusqu'à là c'est bon. Ça même, je peux toujours venir de modifier là. Je vais un peu agrandir ça. Je vais de mettre 45 par exemple. Voilà, je le charge dans le projet. Je n'ai pas modifié trop, je le mets à la mode. Je reviens toujours, je pense que je dois augmenter. Hein. Ah, c'est devenu un peu grand quand même. Hein. Mais quand même, je vais essayer. Avec ça, on remplacer. Voilà, je pense que c'est un peu grand. Mais c'est bon. Je peux aussi diminuer ça. Je vais diminuer, par exemple, ici, qu'est-ce que j'avais pris comme le texte. Texte, je vais prendre 2. Ça aussi je vais prendre comme un, je vais prendre 2. Voilà, donc ce qui veut dire qu'ici je peux toujours retourner à 2050. Voilà, je vais ajuster ça. Voilà, vous pouvez toujours diminuer hein, si vous voulez avoir quelque chose de trop un peu trop petit, vous pouvez toujours diminuer. Voilà, je pense que c'est bon déjà avec ça. Pour l'autre là, il a déjà des cotations, donc vous allez juste venir le mettre en notation. Donc je pense que ça ne demande pas beaucoup de choses. Vous pouvez directement prendre ça comme ça. Avec ça, vous le prenez comme ça, un peu en bas. On le fait descendre un peu en bas. Voilà. Ça aussi, vous pouvez le faire descendre un peu, c'est toujours possible de le faire descendre. Ça aussi c'est possible de le faire descendre. Voilà, une fois fini de faire ça, on vient comme ça. Donc ça, il est possible de le déplacer, on peut le déplacer, on peut changer le nom. Voilà,
Même chose au niveau de là. On met juste des annotations. Donc déjà, on va les mettre de l'autre côté. Ici. Et là. Voilà. On les met ça ici. On peut même supprimer ça et mettre d'autres annotations. Ce qu'on a fait ici encore, on peut faire la même chose au niveau de là-bas. Donc ça c'est au niveau de là, les annotations multiples qui sont là. Vous choisissez là ou étiquette, annotation, voilà, vous les prenez. Il suffit de prendre ça comme ça, après vous positionnez ça quelque part. Voilà, vous les mettez par exemple, si je prenais l'autre côté, je vais juste montrer ça, mais je ne vais pas les laisser. Vous les positionnez comme ça, voilà, une fois ça maintenant, vous les mettez quelque part. On peut toujours le changer. Je le prends. Et voilà. Cliquez deux fois. Voilà. Ça sera la même chose ce qu'on a là. La première, c'est qu'on a, c'est la même chose. On peut faire la même chose. Maintenant, on peut toujours faire aussi des modifications au niveau de là. Diminuer ça un peu, tout ça. Ça, c'est les annotations. Vous pouvez aussi rentrer là-bas, diminuer un peu les étiquettes, tout ça. Voilà. Ça, c'est les annotations. On peut aussi les diminuer. Mais ça, on va conserver cette méthode au niveau de là. Voilà. Je pense que c'est pas trop difficile. Voilà. La seule chose qu'on peut améliorer ici, c'est au niveau des tableaux aussi. Donc, ça, en général, on l'améliore au niveau. Supposons qu'au niveau de votre tableau, il y a ça. Vous cliquez à côté ici. Donc normalement, il y a des choses que vous pouvez diminuer ici. Les chaînes, type de forme de fichier image. Vous pouvez choisir l'image que vous souhaitez avoir. Échelle de la vie. Voilà. Il y a beaucoup de choses qu'on peut changer au niveau de là. Même les barres de symboles et de la vie quelque part encore. Voilà, ici, vous pouvez choisir la ligne épaisse ou ligne diminuée. Voilà, c'est le style des lignes. Voilà, ça concerne au niveau de là. Au niveau de la ligne forte, ligne et style continu. Vous pouvez aussi diminuer l'échelle pour que la tableau aussi soit un peu plus petite par rapport à ici. On voit que les images sont grands. Et on peut diminuer l'échelle pour que ça soit un peu plus petit. Donc votre tableau sera un peu plus petit par rapport à ça. Voilà, donc on va s'arrêter là. À la prochaine fois, on va essayer de commencer avec à ferrailler une poutre. Voilà, avec Revit. Voilà, Inch'Allah. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et on se dit à bientôt.